Je m'appelle Angelica, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Je pratique du volleyball et j'adore m'amuser, rester avec mes amis, écouter la musique ou bien encore voyager. En tout cas, ce sont tous des trucs très, très banals. Mais il faut savoir que 4 jours avant mes 5 ans, je fus envoyée dans un foyer. Je me sentais seule, triste et fragile. Je me souviens encore de cette photo avec mon gâteau d'anniversaire et mes yeux remplis de désespoir. Je pensais vraiment y rester jusqu'à mes 18 ans. Toutefois, un jour, j'ai rencontré ma famille d'accueil. Une famille exceptionnelle, attentive et spéciale. Mes parents m'ont appris beaucoup de choses en toutes ces années et je les remercie du fond du cœur pour tout l'amour qu'ils m'ont transmis. Ils m'ont expliqué que les bons et les méchants existent seulement dans les contes de fées et que chacun de nous décide de ce qu'il va faire de sa vie et de ce qu'il va choisir tous les jours. Et un beau jour, ils m'ont adoptée et je suis devenue officiellement leur fille. Et c'est pour ça que la personne que j'admire le plus, c'est ma mère, qui m'accueille dans son lit, même si j'étais comme le vilain petit canard. Je l'ai toujours dit, et je le dis encore maintenant, et je le dirai toujours. Je t'aime, maman. Pour moi, tu seras toujours la personne la plus extraordinaire et unique au monde. Salut, maman!